Lionel Boxis n'en revient pas, tout comme Raphaël Ibáñez. L'ouvreur béglé vient de rater l'immanquable, la pénalité de la gagne face au poteau dans les toutes dernières secondes de la rencontre et l'UBB de revivre le même scénario qu'au match aller. On a fait beaucoup d'efforts, on est revenu dans le match, on menait, enfin, je pense qu'on a fait une belle partie. On aurait mérité de gagner, après on aurait peut-être dû se mettre à l'abri un peu plus tôt. La partie avait pourtant bien commencé avec ce premier essai sur un ballon de récupération, le pilier argentin Codella concrétisant ainsi un début de match dominateur. Les Girondins qui enchaînent avec cette passe au pied de Pierre Bernard et cette fois c'est Julien Rey qui conclut dans l'embut. Et les Toulousains de s'agacer de plus en plus, Johnston se faisant du même coup expulsé à la suite d'un mauvais geste. 12 à 9 à la pause en faveur de l'UBB, mais malgré leur infériorité numérique, ce sont les Toulousains qui prennent le large en seconde période, inscrivant à leur tour deux essais par Ugé et Bézi. Le trou est fait, mais l'UBB revient dans le match grâce à son ailier australien Blair Connor, avant donc d'échouer une nouvelle fois d'un petit point, Toulouse l'emportant finalement 23 à 22.